Yeah, Francis, I hope you never grow up. Plutôt qu'un long discours, on a choisi de vous lire ces mots reçus cette nuit du bateau. On espère qu'il n'est pas trop tard pour vous dire toute l'admiration que l'on a pour Paul Watson. Pour nous, il a l'étoffe d'un héros, sans peur, sans reproche. Il est capable de tout pour faire avancer une idée juste, jusqu'à ouvrir à l'ouvre-boîte géant un navire baleinier dans l'illégalité. Ça lui fait pas peur, il y va. C'est un phénomène unique, admirable. Combien de cétacés doivent la vie à lui et son équipe ? Sea Shepherd a été fondé en 1981 aux États-Unis. C'est à Paul Watson qu'on le doit. Sa mission ? Sauvegarder les mammifères marins du monde entier, défendre aussi la faune et la flore des océans. We live in a world right now where people who are considered to be heroes are people who pretend to be heroes, which are, you know, movie stars and that. So I think that people are really fascinated by people who do take on the elements, whether it be climbing a mountain or sailing the oceans or doing things which are almost perceived to be impossible. And I think that certainly lends respect and also admiration to, because people see things that they didn't think could be done being done, and I think it's very motivating. D'accord, mais pourquoi certains passent à l'acte? Qu'est-ce qui a bien pu pousser les six garçons d'Idexport à monter à bord? Henry David Thoreau once said, "Most men, people really, live lives of quiet desperation." That they want to get out there, they want to experience these things, but they're limited by fear or circumstances. So to me, those are the three most valuable things to motivate anybody: passion, imagination, and courage. And when you have those three working together, then you are an adventurer. La passion, le courage, l'imagination. Pour être un héros, pas besoin d'être fou. First of all, I believe that people who sit around and do nothing are crazy. You exercise your passion, that's the complete opposite of being crazy. In fact, it's sanity within a world of insanity. Ce qu'il y a derrière le mot aventure, c'est une dimension universelle, exceptionnelle, une denrée rare, c'est celle du rêve.